Le roi habite au château avec la poule Suzy depuis déjà très longtemps. Elle est sa meilleure amie et ils s'amusent beaucoup ensemble. Mais ces derniers temps, le roi est de mauvaise humeur. Regarde-moi ce salon. Tu as déjà vu un roi vivre dans un tel patras? Majesté, vous devriez demander à quelqu'un de venir nous aider. Mais Suzy, tu as raison. Pose ton balai, je vais m'en occuper tout de suite. Ah, voici notre fée du logis. Entrez, entrez, chère madame. Mademoiselle. Mademoiselle Chardon. Mademoiselle Chardon se met au travail. Infatigable, elle savonne, elle lave, elle astique, jusqu'à ce que tout le château embaume le détergent. Les souris désertent les placards de la cuisine. Il n'y a plus la moindre petite araignée au plafond. Lorsqu'elle aperçoit Suzy, Mademoiselle Chardon fait semblant de ne pas la voir. Le roi est absolument ravi. Mon château n'a jamais été aussi beau. C'est bien possible, Majesté, mais je ne compte pas rester plus longtemps. Je ne souhaite pas travailler dans un château où se promène de la volaille. Suzy se fâche. Elle crie et elle tape du pied. Il pense à sa petite Suzy, comme il faisait toujours des jeux le soir, comme il grignotait des pistaches et s'amusait à jeter les coquilles dans le feu. Mais Mademoiselle Chardon a défendu de faire du feu, cela donne trop de saleté. Le roi n'a plus qu'une seule pensée. Suzy doit revenir au château.